Et reprenons mes chers enfants de tous âges pour... Oh, ça, je peux pas viser ce gros porc, oui, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire gros porc, j'en suis. Hein. Alors, commençons par... par les poupées. Ok, je le merde. Ah, par contre, il m'a mis beaucoup de choses sur ma petite carte. Bon, déjà que le quatrième mec, aucune idée où est-ce qu'il se trouve. Putain, il y a plein de trucs dans le château et tout. Ah non, mais c'est bon, voilà. Nous trouverons sûrement la tête de la poupée manquante ici. Attends, attends. Alors ça doit être du fric. Je me suis dit à un moment, peut-être que le gros lard il va le bouffer. Fosse commune. D'accord. Allez. Et là, il y a une tête. Bon, allez, ma première phobie, les ponts de merde suspendus à l'arrache au-dessus du vide, qui sont branlants et complètement pétés. Mais putain! Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Oui, c'est un fantôme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quel con. T'es vraiment con, Ethan. Hein. Je vais pas sortir mon flingue. Hein. Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Oui, c'est pas réel. Mais c'est que c'est chaleureux ici. On marche sur les trucs des morts. Ouais.
deviens fou. Oui. Bon après, tout ce que t'as vécu, qui ne le deviendrait pas? Trop bien. En quoi? Attends. Mais si je peux sortir mes armes, putain, gros con là. Ouh là là. Quand même pas utiliser une grenade pour péter un mur. Voilà, putain, c'est une boîte aux lettres. Qu'est-ce qui se passe? Collecteur d'impôts, s'il vous plaît, je viens prendre le dû de l'État. Je pourrais tirer, hein. C'est joli. Bah, je vois pas ce qui pourrait mal se passer dans cette maison. Je crois que ça veut dire bienvenue en italien. C'est une ballerine au début. Oh la vache, c'est super flippant cette merde.
Ok, donc là, les fenêtres, on peut pas les péter, elles sont en diamant. Ok, donc là, on peut même plus péter tout ce qui est en verre, ok. Quelle bande de jeu de merde. Ok. La babine de ferme. On prend une photo de la bonne taille quand même. On dirait Pity là avec leur putain de couloir. Assez stressant, hein. À toi, ô Otis. Bon, à tous les coups, cette maison bouge ou je sais pas quoi. C'est le modèle album des Twice en vinyle là. Putain, connard, je me suis fait peur avec la molette. Mais chier sur ton truc, tu vas. Elle ne bouge pas le fond. Ah! Oh, j'adore ces jeux de merde.
Quoi? Non, je crois que ça avait bougé. Ta gueule. Il nous faut la clé à pied. Cher journal. Pourquoi pas? Merde, où est mon arme? Ah! Il y a quelqu'un là, je ne rêve pas là. Pourquoi il y a un effet de foule de merde là? Putain, les textures elles pop, c'est pas possible. Mais c'est Ray. Oh non, c'est Mia. Putain, par contre, je peux sauver le temps que je veux, c'est quoi cette merde? Pourquoi ça m'a proposé d'utiliser une clé? Ça me fait plus flipper qu'autre chose, ce con.
Pardon. Une alliance. Oui, le monde s'en fout de tout ça. C'est ça que j'ai oublié. Faut l'épisode 2. Ah! 05, 29, 11. C'est où j'ai vu un truc avec un mot de passe? Y'a quoi là? Là, je peux pas me faire attaquer vu que j'ai pas d'arme. C'est le mec qui est claustro. Qu'est-ce que ça fait là? Ok, alors... Ok. Le pincette. Putain de pute. Ok. C'est une énigme, rien de plus. La meilleure amie de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour Rétir des détails pour moi.
Par contre, le temps entre deux clés, je le trouve beaucoup trop long. Je regarde pas. Attends, je suis devenu une tortue ninja, quoi. C'est trop cool. Attends, une pince épilée, ça sert forcément sur le truc en bois. T'es sérieux, Ethan, t'es vraiment une grosse merde. Alors. Putain. Alors, quoi? Ok. Quelle bande de bâtards. Ok, donc le piaf. Okay. C'est quoi ça? Écoute.
m'arrêterai pas si je faiblis. Ok, alors, meilleur ami de Rose, le loulours. Elle aime beaucoup cette histoire, ok. Ce qui compte le plus pour nous, cadeau de mariage offert par ma grand-mère. Oui. Tellement nice. Miaou, ok. Attends, mais celles-là, elles sont... Mon Dieu, je ne peux pas détruire ces morceaux de tissu sans ciseaux. Sérieusement. Allô, les pompiers? Je crois que je suis venu fada. Bon. Connard de jeu. C'est pas bon l'enfant, oui, je sais. Je vous aime tous les deux, tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. J'ai pas peur de toi! Putain, on va pêcher d'y aller. Hein. Ah, merci! J'avais justement besoin d'un coup de pouce. Très bien. Ah, c'est le film qu'on a vu. Pas très fun d'ailleurs, sûrement un film allemand.
Bon ben, quoi, faut y aller. Faut y aller. Ouais, c'est arrivé une fois dans Bloodborne, c'était quand j'avais gagné. Bien sûr que tout ira bien, pourquoi ça irait mal? Oh Seigneur Jésus-Marie-Joseph! C'est quoi ça, c'est dangereux ou pas? Attends, on dirait une espèce d'énorme tub là. Oh merde. Il est là ou pas? Et ça, je veux mettre où ça? Alors, attends. Le débarras. Mais il est fermé. Ah non, attends. Là, il y a un truc là. Ah. C'est bien mieux là. Et moi, je passe là. Ça a vraiment un intérêt ce machin. Et après, théoriquement, je peux pas me faire tuer. Oh putain, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une. C'est peut-être
Peut-être pour ça qu'il y a ça là, c'est parce que okay, si tu crées, tu dois tout refaire. Oh putain, grand mère sale pute. Ouais, heureusement une merde là au bout du couloir. Bouh! Quoi, y'a rien du tout. Ah ah oh, ah oh, mais c'est fermé. Il est où? Ah, il est dégueulasse ce gosse. Oh attends, oh attends, oh attends, oh attends, c'est où là? Putain, pute ta grand-mère! Arrête de gueuler! Ah, quelle belle journée de merde! Oh putain, ça a fumé la weed là! Et sa pute! Ouais, c'est l'ampoule. Oh la salope. Ah, cinématique. Je suis drogued. Ne pars pas. Je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Ok, nice. C'est à l'étage. Quoi, je suis où là? Oh!
Oh, c'est insupportable cette saloperie. Putain, faut y aller vite en plus là. Elle est où cette conne? Oh attends, elle est bien douée en cache-cache hein. Attends, elle est toujours là-haut quoi. Pas assez rapide le DD. Salope.
Ah ! Quoi ? C'est fini. Putain, quand tu vois tout ce qu'on a dû faire pour les deux, les quatre connasses là. Bien. Je vais arranger les choses. Hein ? Il est temps de quitter cet endroit. Oui. C'est elle qui faisait tout ça. Et de deux. Ah ! L'air pur de l'extérieur, enfin ! Qu'on laisse. Bon, oui, bon, c'était une phase énigme. Ah, quel plaisir de sortir de cette maison. Ça, j'ai récupéré mes flingues. Quoi là-dessus? Bon, visiblement, c'est pas quelque chose que j'ai en ma possession. Ok. Thank you.
Ok. Putain, j'allais dans le mauvais sens. Alors là, aucune idée de ce qu'il faut prendre. Si même ça, ça marche pas. Ah. Ta 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 ta. Tombé. Voilà. Putain. Et on reprend. Oh putain. Ça, c'est un mystère à résoudre. Ok, il y a un oiseau bleu. Je vois parfaitement où c'est. On va y aller.
Ok. Salut frérot. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, mademoiselle Angie, elle... Une bonne affaire. Si je puis m'exprimer ainsi. Ah, oui, oui. J'ai du nouveau en stock. Ah! Par contre, attends. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. C'est un investissement, Je vous souhaite de faire bonne route, naturellement. Voilà, au cas où si je me foire. Enfin, si je fais pas un truc intéressant. Ne faites pas attention à moi. Pas de fardeau trop lourd pour ceux qui sont forts. Attention tout de même à votre dos. Ah, je peux racheter mon flingue. C'est un investissement, Ethan. Je pense que je vais le vendre, celui-là, que je vais garder mon flingue de base. Avec plaisir.
Je doute. Obtenir de la marchandise et merci. De votre visite. Voilà. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais bon. T'as vraiment de ça, pop, hein. Allez-y, n'hésitez pas à jeter un œil. Continuez comme ça. Vous avez l'œil pour la qualité. Merci. Et c'est très bien. Par conséquent, nous poursuivrons notre périple dans le prochain épisode. Couillon.